Le soleil est là, il y a du monde, l'animation, marché, du marché de Noël, tout se passe bien. De toute façon, on commence à être rodé, ça fait quand même quelques années que l'on fait notre course de Noël. Ça fait 5 ans, avant, pendant 25 ans, on a fait la course de Saint-Jean, et donc maintenant, on est passé, depuis 5 ans, on fait la course de Noël. Et bon, c'est des fois un peu plus délicat à cause du temps, évidemment. Il y a 2-3 ans, on a eu de la neige, et ça fait 2 ans qu'on a du soleil. Alors, donc, il n'y a pas de raison de... Il y a une bonne dotation de l'eau, de récompense, c'est ce qu'ils nous disent, par rapport à certaines courses. Le premier féminin et le premier masculin, ils ont un VTT, chacun. Et puis après, des lots en nature, jambon... Mais c'est très bien loti. Donc c'est peut-être pour ça qu'il le fait venir. Puis de toute façon, actuellement, il n'y a plus beaucoup de courses. Il y a un cross à Bègles, mais bon, c'est différent. Courses sur route et cross, c'est un peu différent. Bon, on n'est pas très très nombreux au club, mais après je fais appel à des proches du club occasionnellement qui viennent donner un coup de main. Tous les ans, ils sont là. En tout, il doit y avoir une 60aine de bénévoles. Sur le parcours, évidemment, les aiguilleurs sont présents, les inscriptions, la remise des récompenses, ça fait une 60aine de personnes, dont beaucoup de gens qui sont pas du club, évidemment. Le président, ça fait 4-5 ans qu'il ne court plus, aucune raison physique, seulement ça, j'avais plus envie. Je retrouve d'anciens collègues qui courent plus. Ils courent plus parce qu'ils ont des problèmes d'articulation. Alors moi je dis, je suis impeccable, je vais bien, mais j'ai plus du tout la motivation. Je les regarde. Je ne sais pas quand est-ce que sera le marché de Noël, je crois que ça tourne pour le 15-16 décembre. Et on donne rendez-vous donc vers 2013. Il n'y a que du faux plat, que de la relance, ça glisse en plus, surtout sur les ponts. J'ai glissé deux fois, mais bon, je me suis rattrapé de justesse. Bon, ça fait quelques frayeurs. J'ai deux licences. Aujourd'hui, je cours pour Cadorjac, sinon je suis à Boulogne aussi. Ouais, je cours tout le week-end pour me faire plaisir. Et essayer de gagner les courses. Mais juste pour me faire plaisir, voilà, sans objectif particulier. C'est on va dire que c'est un tout petit trail. Hein. Comme il y a des parties très glissantes et des parties avec de la boue. Partie de route, c'est une course nature, on va dire que c'est une course nature. J'étais venu il y a 3 ans, j'avais gagné, et à l'époque c'était un 8 je crois. Ouais. Il y a 2 ans je l'avais fait, j'avais fait second derrière Sébastien Auréron, il va courir aujourd'hui. Et voilà, bah là je suis venu cette année parce que j'avais envie de courir. Ouais. J'ai l'habitude de faire le semi de base à Sangon, j'ai gagné 2 fois. Et le sud Gironde c'est pas mal. Enfin moi je fais un peu toute la région, le Blayais, le Médoc, le sud Gironde aussi.